scolaire, niveau scolaire de la famille de Pays, pardon, nous sommes allés enseigner, nous sommes allés éduquer, nous sommes allés former les élèves, les enfants, les faits de l'environnement, qui parle de mangroves, qui parle de détruire les mangroves, la dégradation est trop avancée, et aussi le rôle biologique, comment sauvegarder les ressources pour que demain il y a une pêche, nationale. Il faut que les enfants soient éduqués à la base. Donc, ce matin, nous sommes allés au nom de la Soukolais et avec nos partenaires qui nous accompagnent. J'ai dit Thousand Currents qui nous appuient, qui nous accompagnent depuis deux ans. Nous leur disons un merci à travers votre antenne. Nous leur disons un merci. Nous avons vu une cérémonie ce matin avec tous les stagiaires, tous les élèves, les enseignants, tout le monde, chef de village, la notabilité. Nous sommes allés parler de la population, nous avons parlé de sauvegarder des mangroves et en quelque sorte de l'environnement. Voilà un peu ce que nous avons dit ce matin. Pourquoi donc avoir choisi un tel thème? Un tel thème parce qu'il faut aller donner l'information aux plus petits pour qu'eux puissent. L'information passe vite. Hein. Quand ces enfants, le slogan passe très vite. Donc nous avons ciblé ces enfants-là qui vont divulguer l'information dans le village, dans les hameaux et partout où on parle de succès. Chaque foyer, ils vont l'ont dit. Il faut appuyer les enfants. On est à l'entrée scolaire, il faut ouvrir et offrir les crises scolaires. Voilà, il va faire du social. Le type de la coopérative, c'est faire du social. Et nous avons donné des crises scolaires aux enfants. Et aussi, on a pu des vivres à la cantine pour que les enfants mangent bien et qu'ils soient bien éduqués. À travers ce qu'on a fait, c'est accompagner tout le village, toute la communauté à venir aider, à scolariser et à former les enfants. Donc, voilà un peu l'objectif scolaire. Nous comptons le faire avec nos partenaires qui nous accompagnent. Dans un direct, nous donne vraiment ce matin une joie de pouvoir faire cette activité. Merci à Papa Céline de nous avoir offert des cadeaux ce matin. Et nous voulons dire à nos parents de ne pas couper la mangrove, car il y va de notre survie.